Aymeric Bonnery prend le contrôle de l'antenne dans le Rico Show en direct de 21h à 23h. De 21h à 23h pour 2 heures de surprise déjantée. Alors comment à 20 ans on est déjà humoriste magicien? Qu'est-ce qui t'a donné ce goût-là? Bah comment t'expliquer, en fait j'ai une tante marocaine qui fait de la sorcellerie à la base. On embrasse la tante à Malik. Rien à voir, c'est juste j'étais petit, on m'a offert un coffret de magie pour mon anniversaire, j'ai joué avec et je suis resté bloqué dedans en fait jusqu'à aujourd'hui. Putain c'est ouf. Et depuis toujours je m'entraîne à travailler des nouveaux tours, des nouvelles manips et après voilà. J'ai traîné avec des humoristes comme Malik. Donc après, voilà quoi. Ça s'est mélangé. Et allez-y, hashtag du coup, posez vos questions à Kader. J'imagine que vous avez aussi plein de questions, on les relaiera. Je voulais savoir, Kader, la magie, pour les nanas, ça marche. Ah, faut le dire. Bah, un petit tour de magie. Ah ouais. Je sais pas, toi, par exemple, Rachel, un petit tour de magie, ça te fait toujours kiffer ou pas? Ah, moi, ça me fait craquer. Tu peux m'en faire un, s'il te plaît? Ah, là, tu vois, direct. Ok. Il a hésité quand même. Tu sais quoi, okay. Kader, il va nous faire ça. Il va nous faire ça dans quelques instants. Ouais. Mais j'ai compris à son regard, il sait dégrafer des soutiens-gorge, ça va bien se passer. Et là, comment on rentre tout ça dans le Comedy Club? Là, je vois des noms. Je vois, il fait la première partie d'Ahmed Silla. Comment on en vient à faire des premières parties des gens comme ça qui sont déjà au top et qui sont incroyables? Bah après, voilà, les tours de magie, je les ai testés devant des potes. Après, des potes à moi m'ont montré des scènes ouvertes. Ouais. Et dans ces scènes ouvertes-là, il y avait que des humoristes. Bah, force de traîner avec eux, bon, j'ai rajouté des blagues, j'en ai piqué quelques-unes au début. Ouais. Je l'assume. Et voilà, après, tu traînes avec beaucoup d'humoristes et le niveau il évolue de jour en jour. Et après, voilà, tu traînes avec. Et tu viens d'Aubervilliers, c'est ça? Ouais, exactement. Et à Aubervilliers aussi, c'est facile de pratiquer la magie ou... Bah écoute, à Aubervilliers, il y a beaucoup de magiciens. Ouais. Oui. Téléphone, porte-monnaie, tout disparaît. Ça va très vite. Ouais, les mecs là-bas, c'est. Ça va très vite aussi. Il faut jouer les jeux de cartes là-bas aussi. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu connais pas les jeux de cartes à Aubervilliers? Non, raconte. Tu crois que tu vas gagner, tu perds. C'est plus un port de clients court, ça. Ouais, c'est limite quoi. Kader, est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Alors vas-y, vous êtes sur Dailymotion. Il y a Rachel, ton assistante. T'as choisi la plus moche, ça fait plaisir. Alors, vous êtes sur Dailymotion et vous voyez en direct le tour de Kader. Ok, c'est parti. Alors, si j'ai un briquet, tu peux prendre le briquet s'il te plaît, vérifier le briquet. Et j'ai pris un petit fil que j'ai arraché du pull de Malik. Tu peux vérifier aussi. Ça se voit pas. Ok. C'est bon, ok, je peux avoir le fil? Ok. Tu peux allumer le briquet s'il te plaît, je vais finir. Parle bien dans le micro, Kader, sinon c'est pas possible. Allume s'il te plaît, attention. 1, 2, 3. Ah ouais! On va prendre la petite balle comme ça, ok. Venez sur Dailymotion, il vient de cramer un fil et une balle est apparue. Ah ouais. Tu peux prendre la balle en mousse, vérifie s'il te plaît que la balle est tout à fait normale. Vérifie bien, enfin, si jamais. T'aimes bien les boules, enfin, t'aimes bien la balle. Excuse-moi. Ah là, c'est pas moi. Tiens, je vais juste récupérer la balle. En fait, faut juste bien vérifier, puisque. Oula. Faut vraiment bien vérifier. Tu vas vérifier une dernière fois. Ouais, je veux bien. C'est bon, ok? Ok, tu peux placer tes deux mains comme ça s'il te plaît. Ouais, ok, très bien. Dis-moi, je prends celle-là ou celle-là? Celle-là. Ok, celle-là, je vais la prendre, la mettre en main gauche. Si je fais ça, elle passe de l'autre côté. Tu peux essayer de le faire voir si ça marche. Ah ouais. Bon, ça va pas marcher. Ok, c'est pas grave. Tu l'as fait tomber la balle. Ok, tu sais quoi? On va essayer de le faire ensemble, d'accord? Tu vas placer tes deux mains à plat comme ça s'il te plaît. Ok, dis-moi, je prends celle-là ou je prends celle-là? Celle-là. Ok, moi je reprends celle-là par là. Et celle-là, tu la gardes pour toi, tu laisses personne la prendre, tu serres bien fort dans ta main, d'accord? Moi je laisse la mienne dans ma main, d'accord? Regarde bien, je fais 1, 2, 3, je suis plein de mains. La balle, tu peux ouvrir ta main s'il te plaît, regarde à l'intérieur. Oh là là, ah trop ouais. Trop fort. Flippé. Ah, tu fais ça. Flippé. On peut applaudir Kader. Ah ouais, bravo. Bravo. Franchement. Très très fort, beaucoup de talent Kader, mais c'est incroyable puisqu'elle a vérifié toutes les balles, etc. Il a été capable de faire ça, c'est incroyable. Et putain, c'est ouf. Moi j'ai rien compris au délire. Moi la première fois que j'ai connu Kader, il m'a montré des tours, mais de malade, il fait voler une table. Il l'a fait voler devant tout le monde, bah au Comedy Club. À la saison 8, il avait fait la saison 8 du Comedy Club. Ouais, là il est dans la saison 9 maintenant. Ouais. Et il faisait voler une table devant le public. Tu peux nous refaire un dos Kader, t'as un deuxième tour à nous présenter. Tiens, je vais t'envoyer une cigarette. Vas-y. Je vais l'allumer. Ouais, tu peux l'allumer. Oh, ok, let's go. Alors c'est parti, tu te remets en place là devant la caméra. Kader fait son deuxième tour. T'as besoin de ton assistante? Et je vous le dis, on est après ce tour là. Après ce tour là. Kader, après ce tour là. On aura justement le cadeau de Noël et on se quittera là-dessus. Mais on a encore 5 bonnes minutes avec Kader. Vas-y.
C'est déjà pas la qui, je l'ai pris sur la table à la qui. Parle bien dans le micro, Kadash. À la qui, c'était Charles. Elle est à Sylvain, non, non on s'en fout. Elle est à toi. Elle est à toi maintenant. Tu vas faire un trou dedans? Ah, ok, on va essayer en fait. Justement. Il a une cigarette à la main, un briquet et son écharpe. Tu fumes? Je prends la cigarette comme ça, regarde bien l'écharpe. Oh là là. T'es sûr de ton coup? L'écharpe, la cigarette, il crame la cigarette dans l'écharpe. On voit bien la cigarette. Elle a transpercé l'écharpe. Il l'enfonce bien pour être sûr qu'elle a bien transpercé l'écharpe. Tu peux tenir par là s'il te plaît. 1, 2, regarde bien. 3. Ah ouais, ouais, oh là, et la cigarette? Disparu. Y'a plus de cigarette? Non. Y'a plus de cigarette. Bravo Kader! Bravo! Bravo à Kader Bruno.